Salut tout le monde, c'est Largo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour une vidéo sur le bordélique. Et du coup, bon là, s'il n'y a pas la luminosité, surtout j'ai rajouté Optifine, comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier avec les mods. Et d'ailleurs, je trouve que c'est... En vrai, c'est peut-être mieux avec en plus la luminosité comme ça pour cette série. Je vais juste faire gaffe à prendre la masse de torche et pas foncer dans le noir, quoi. Mais du coup c'est ça peut être cool. Et du coup j'ai juste changé auto jump. Et là on va pouvoir faire la première machine très bientôt parce que je m'étais arrêté en solo. Hors vidéo je l'ai miné jusque là. Et puis j'ai vu un mineshaft juste en bas. Donc je vais pouvoir aller l'explorer avec vous. Donc une quotidienne craie. Donc on va aller voir spawn avant. Comme ça voilà. Ok, nice. Donc alors, clé quotidienne. Donc je sais pas si ça a été donné automatiquement ou si c'était donné au joueur manuellement par DOP. Quotidienne. Quotidienne. C'est là. Et d'ailleurs, comme vous avez pu voir dans la... Ah putain, il lui a mis... Il a une cape. Il a une cape. Oh, c'est génial. Ok. Comme vous avez pu voir dans la vidéo de présentation d'un mod, il y a ce mob. Pour pouvoir nous régénérer notre vie et tout. Ah bah du coup voilà. J'ai régénéré la bouffe. Donc. Quotidienne. Tension. Suspense. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est pas des loot énormes pour la quotidienne. Name tag. Ok. Donc, ça te permet de garder les mobs. Les mobs vivants. Pour si on s'éloigne trop. Et là. Clic gauche si on veut voir les loot et tout. Donc. Il n'y a pas de marqué de chance de loot pour tels items par contre. Donc, potato et tout, graines, enfin du blé, cacao, canne à sucre, le fer, charbon de bois, bon, bref. Là, il y en a d'autres aussi. Bon, là, c'est un peu plus intéressant. La love, secret de l'amour. Siltouch Infinity. Mais là, c'est, genre, c'est pour le lol, tous les noms qu'il a mis. Vu que c'est, Creeperminator qui a fait tous ces noms d'items dedans, il me semble. Ouais. Il me semble que j'ai, il me semble qu'il a tout fait en fait. Je suis pas trop sûr, mais je crois qu'il en a fait certains déjà. Alors, du coup, Sifted d'or et tout, ouais, donc on peut gagner plein de crédits et tout. Et il y a plein de trucs plutôt intéressants là-dedans. Il y a peut-être des items slime fun. Non, je sais pas. Il y a peut-être juste les ressources. Si, ok. Mais on peut pas les utiliser dès le début, c'est les items slime fun. Donc ça doit être lui qui a dû éditer tout. Tous les éléments, donc franchement, moi je lui dis GG. Parce que là, vu tout ce qu'il a fait, quoi, on va faire un petit coffre. Enfin, un petit coffre, on pourra pas faire minuscule comme la vidéo d'hier avec Little Blocks. Mais bon, c'est déjà ça, quoi. Hop, un petit coffre. Hop, ouais, du coup, ici. Ça m'a l'air cool. Voilà, et là on a loquette aussi, donc si on peut mettre un panneau dessus, ça pourrait être cool. Hop, arc et tout, ouais, bon, ok. Hop, on se garde juste ça. Hop, et on va arranger le reste, quasiment tout le reste en fait. Pour aller ensuite miner. Voilà, on a un peu de rotten flèche. Et on peut... Putain, il fait nuit déjà, on peut redescendre... Et du coup là on voit quand est-ce qu'il fait nuit, au lieu de voir juste les zombies arriver, là on peut voir directement dès qu'il fait nuit, vu que j'ai pas augmenté le gamma là. Donc le gamma pour ceux qui savent pas, comme moi je savais pas avant que je modifie, c'est la luminosité de base du jeu. Elle est à 1 de base et vous pouvez la mettre à 10. Voilà, enfin la multiplier par 10 ça doit être une multiplication par 10 de la luminosité qu'on voit. Donc là voilà, là c'est une luminosité normale. Bon, du coup, hop, et là on va pouvoir se faire chauffer. Voilà, notre port, et là, ok. Donc là, ouais, on n'a pas d'armure, mais c'est pas grave, on va quand même aller, hop, dans le mineshaft. Donc, hop, on a nos blocs, voilà. Le petit escalier des familles. Par contre, j'ai... Merde. J'ai pas de lampe en fait. Donc enfin de torches, donc il faudrait en avoir quelques-unes. Des torches. Hop. Non, il y en a pas.
Je vais voir à la limite tout à l'heure avec Slenfun, je vous dirai demain, enfin non, je vous dirai la prochaine fois avec le guide Slenfun, tout simplement si j'ai trouvé un élément cool en référence à ça. Donc, on va pas aller trop loin du coup. Ouais, vous allez rien. Ah, si. Il me semble que vous allez pouvoir voir. Non. Non, parce qu'avec les effets de lumière Sony Vegas, les cœurs, vu qu'ils sont vraiment. Il y a la barre en bas, ici, qui est vraiment très lumineuse. Si je mets un effet pour augmenter la luminosité, ça va faire trop surbrillant. Donc, hop. Là, oui, voilà, on a du charbon, c'est parfait. On se prend. Hop. Et puis ça fait un peu plus de RP, voilà. Alors, tac tac. Voilà. Des torches. Name tag, j'ai pas envie de le perdre, même s'il est pas tellement important en vrai. J'ai pas envie de le perdre, donc je vais en déposer. Il faut prendre du bois si j'en ai, mais il y en a pas assez. Donc voilà, on dépose le name tag. Et là, il n'y a plus assez de bois. Alors, du coup. Ah, yes. Enfin, yes. En vrai, je m'en fous des zombies, j'ai pas envie qu'il y en ait. Ah bah si en fait. Ah bah non. J'ai pas envie. Non non non, vas-y, écarte-toi, oui. Du coup, faut trouver de la redstone très rapidement. Voilà, donc là, on a ça. On s'en fout du fer pour le moment, du coup, on va dire. Comme ça, on va essayer de trouver notre redstone. On va essayer de pas se perdre aussi. Oui, on risque déjà de se perdre. Donc, on va avancer comme ça, obscurité. Oui, ça j'aime les. Ok, voilà, c'est bon. Je suis plus bloqué, voilà. Donc, y a rien. Ok, donc voilà. Et d'ailleurs, je peux même pas voir les coordonnées parce que j'ai pas mis dans le tab les coordonnées Y. Ok, non. Ça m'intéresse pas tellement. Bon, ok. On va essayer de miner. Et voilà. Du coup, j'espère qu'il y aura de la redstone. Parce que sinon, c'est pas énorme non plus. C'est pas ouf. Ah, enfin, bordel! J'ai mis, genre, vous savez même pas, vous avez pas vu qu'il y a eu une ellipse. Une ellipse assez longue, d'ailleurs, qui a duré 2 jours. Parce que du coup, en plus de ça, j'ai dû faire quoi? J'ai dû, j'ai dû réparer une pioche, j'ai dû prendre du bois vu que j'avais plus de bois. Et ça m'a coûté beaucoup de trucs. Et là, du coup, voilà, passage de niveau, dès qu'on monte d'un niveau. Ça, je sais plus si ça le met dans l'action bar ou pas aussi. Donc l'action bar, pour ceux qui sont pas connaisseurs en termes de blocs de commande et tout, c'est ce qu'il y a ici. Donc c'est-à-dire là, je change d'item, cobblestone et iron pickaxe. À la place de ça, on peut mettre d'autres mots, voilà, ce qu'on veut. Donc voilà, on va pouvoir faire enfin notre machine. Donc pour la faire, et d'ailleurs ouais, j'ai pensé à un truc vraiment très utile, Portable Utilities en fait. Donc je vais bon, je les débloque après, j'ai juste envie de voir la machine. Elle est de base débloquée, ok. Donc là, ouais, on va essayer de se débloquer Portable Crafter. Voilà. C'est parce que sinon ça sera un peu chiant. Ah, nickel. Bon, ça sera un truc assez simple. Portable Enchanter, Dustbin, ça c'est utile. Parce que Enchanter, pas forcément encore. Là, je suis pas en plus, j'ai aucun stuff pour le moment. Donc ça sert pas à grand chose. Under Backpack, Small Backpack, Large, Woven, Gilden, Couleur, Soul. Ok. Apparemment, il y a que ça en truc portable, ok. Donc, ouais, bah non, il y a backpack après. Donc, backpack, c'est 15 niveaux. Ouais, donc on verra dès qu'on aura 15 niveaux pour un backpack. Parce que sinon, je vais devoir faire plein d'allers-retours pour les coffres aussi. Et en vrai, non, c'est plus l'under backpack qu'il nous faut. Donc, under. Yes, on a l'under backpack. Donc voilà, on le débloque. Et là, du coup, voilà. Du coup, bon, j'ai un peu visité aussi le main shaft. J'ai pas trouvé de redstone. Et du coup voilà. Donc là, voilà. Under Backpack, c'est comment qu'on pourra le faire? C'est ce truc là. Oh, du cuir normal! Non, putain. C'est pas du cuir normal. Il y a un truc. Putain! Non, bon, ok, c'est pas grave. On n'aura pas l'Under Backpack dès le début parce qu'il a l'air un peu compliqué par rapport à mon niveau tout pourri de début.
avec Slam Fun. On voit l'arc. Et oui, on a des ficelles au cas où ça fonctionne pas, un arc endommagé. Donc, alors, là. Non, ouais, en vrai, du coup, oui. Oh, si, ça les affiche. Ok, parce que de base, ça affichait pas les crafts normaux. Et j'ai enlevé un plugin tout à l'heure qui faisait des bugs. Bon, bref. Qui affichait les crafts normalement. Bon. Table de craft, elle est. Oh, c'est la nuit, il fait sombre. Hop, ouais. Et là, voilà. Donc là, si je me souviens bien, ça doit être ça avec une redstone ou l'inverse ou un arc réparé. Voilà, on va tester un arc réparé. Ouais. Du bois, voilà. Bon, on va réussir dans cette vidéo à le faire en tout cas. Donc l'arc, tac, tac, tac. Surtout que c'était l'objectif que j'avais au début de la vidéo. Ça a mis quand même longtemps à trouver la redstone et tout, mais c'est pas grave. Donc voilà, redstone. Ensuite la pierre. Et là, on intervertit les deux et on a notre dispenser. Donc voilà. Donc là, c'est bien un dispenser. Oui, c'est bien un dispenser. J'ai pas besoin de vérifier en vrai. Donc, bon, on va agrandir la petite salle là. Enfin, pour moi, c'est pas une salle, mais du coup, on va l'agrandir. Voilà. Ouais, du coup, ouais, je vais laisser un passage quand même. Donc là, on va agrandir encore plus. Et on va pouvoir mettre notre machine. Donc, voilà. Donc là, on peut la mettre genre ici. Donc en gros, là, on a. Pour vous expliquer en plus le principe, on a le guide, on a la machine du coup, pour les machines en tout cas. On a un unset crafting table, voilà. Et là on a multi-block. Donc dès que c'est multi-block, c'est marqué build it in the world. Donc comment ça fonctionne? Donc faut le construire ce pattern dans le monde. Donc là vous avez le dispenser en dessous de la table de craft. Donc ce qu'on va faire, c'est bon déjà se créer une table de craft. Parce que je suis assez stupide pour avoir oublié d'en créer une. Donc voilà. Et là, vous allez mettre votre dispenser, du coup, qui était juste en bas. Merde, oups. Qui était juste en bas, voilà. Et d'ailleurs, ouais, du coup, là, il y avait le craft. Bon. Et vous allez ensuite mettre votre table de craft juste au-dessus. Et tac, clic droit ici, par exemple, pour voir si ça fonctionne, tout simplement. Et là, bon, on a bien Slime Fun qui reconnaît une machine Slime Fun. Donc là, on va pouvoir mettre nos items qu'on veut. Vous pouvez même mettre le dispenser vers le haut si vous voulez pour que ce soit un peu mieux ou changer le truc comme vous voulez. Parce que là, apparemment, ça fonctionne sur le côté, mais j'ai déjà testé sur le haut, ça fonctionne aussi. Donc voilà, et là, du coup, vous pouvez mettre vos patterns. Par exemple, un exemple tout con. On a. Non, on n'a pas de livre en vrai. Non, on n'a pas de livre. Est-ce qu'on n'a pas un truc simple? Si, je crois. Dans les armes, dans les magical weapons. Voilà, c'est celui-là. Grandmas Walking Stick. Donc, c'est le truc qui permet de faire du knockback. Voilà, il y en a deux. Ok, voilà. Et l'autre qui est. Knockback 5. Donc, est-ce qu'on a du cuir? Non, bon, on va faire la version de base. Donc, c'était la version de base. Hop, on la voit ici. Donc, là, c'est la table de craft modifiée qu'on a juste derrière. C'est trois blocs de bois comme ça. Donc, là, bon, c'est pas à construire dans le monde réel, du coup. Vu qu'en plus, c'est marqué table de craft à gauche. Là, si c'est construire dans le monde réel, ça aurait été marqué, du coup, multi-bloc comme tout à l'heure. Et là, on aura ça. Donc, là. On a du bois. Je sais pas si ça fonctionne avec tous les types de bois. Je vais tester. Hop, du coup, là-dedans, vous mettez vos trois bûches. Et clic droit. Ok. Ah, ça fonctionne. Ouais, c'est juste, ça fait pas le bruit. Voilà, donc ça fonctionne avec tous les types de bois pour ça. Voilà, donc là, vous avez votre stick Knockback 2. Et vous pouvez vous amuser à éjecter des mobs dehors si on... Ah, bah voilà, un mouton. Il n'y a pas de mob vu que c'est la nuit, mais il y a un mouton au moins. Si, il y a un mob. Voilà.
Et là, vous pouvez un peu l'éjecter. Bon, on l'éjecte pas très loin avec ce bâton-là, mais le knockback 5 va quand même plus loin. Et du coup, vous pouvez un peu vous amuser avec. Voilà. Bon, c'est pas hyper fun s'il n'y a pas de falaise pour les faire tomber dans le trou, mais... Mais bon, faut quand même vous amuser. Donc, voilà. Bon, je vais rentrer parce que là, j'ai pas envie de taper le zombie, le squelette. Je risque de mourir. Donc voilà, je vais faire le trou ici. Oh, c'est un beau zoom. Waouh! Waouh! Oh merde! Lumière! Que la lumière fût! Ça existe pas, mais que la lumière fût! La lumière fût! Bon. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Partagez la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle et prochaine vidéo. Oups. Sur ce, c'était Largo. Tchuss!